C'est une cérémonie solennelle qui consacre la remise de diplômes aux deux premières promotions du programme d'études doctorales en statistiques probabilité de l'IMSP de Dangbo. 11 au total, ces nouveaux docteurs qui ont travaillé sur diverses thématiques viennent du Bénin, du Burundi, du Cameroun et du Rwanda. La formation que vous avez reçue chez nous relève d'un projet ambitieux lancé l'année académique 2014-2015 par la première promotion de master recherche statistique probabilité de l'IMSP. Cette formation a pour objectif principal de contribuer au développement du Bénin et de la sous-région en comblant le déficit de cadres possédant une excellente maîtrise des techniques statistiques et probabilistes requises pour la résolution des problèmes de la vie socio-économique et des sciences appliquées, et qui sont capables de faire du Bénin et de la sous-région un pôle d'excellence internationale dans ces domaines. Financée par la Banque mondiale, cette filière est placée sous la supervision du Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications. Le centre a transmis des valeurs à ses étudiants tout au long des années de recherche. Cette journée du jeudi 3 juin 2021 restera longtemps gravée dans nos mémoires, mes camarades et moi. Nous y repenserons certainement avec nostalgie. Ces années de doctorat furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions et en rencontres. Nous sommes fiers du résultat que nous célébrons aujourd'hui, fiers d'avoir été formés par des enseignants exceptionnels. Il est certain que nous n'aurions pas obtenu ce diplôme sans l'apport financier du Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications, dont nous remercions le coordonnateur, professeur Joël Tossa. Le parrain de la présente promotion exalte les compétences des récipiendaires qui devront s'armer de courage sur le marché de l'emploi. La formation d'excellence que vous avez reçue dans la filière statistique probabilité à l'IMSP et que vous faites déjà valoir sur le marché, à ce que je viens d'entendre, fait de vous des experts hautement qualifiés. Vous êtes très attendus dans le développement socio-économique de vos pays respectifs. Permettez-moi seulement de vous rappeler que l'obtention d'un diplôme est un premier pas pour la qualification et l'emploi. Mais dans le contexte concurrentiel actuel, vous devez disposer d'atouts solides fondés sur des valeurs cardinales. Je veux vous rappeler quelques-unes de ces valeurs: la bonne communication, l'intégrité et surtout l'humilité, la confiance en soi et la disponibilité. Je veux déjà m'engager en tant que parrain de ces deux premières promotions à œuvrer auprès de l'Institut, l'INSAE surtout, et d'autres structures pour votre implication dans la prise de décision publique ou dans les entreprises. J'y travaillerai personnellement, je vous le promets. Le Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications entend poursuivre la formation au service du développement. La cérémonie a pris fin avec la remise de diplômes aux récipiendaires, une pièce théâtrale et une photo de famille.